Quel est le plus beau couple sur YouTube? Quel est le plus beau couple sur YouTube? Je vais le répéter encore une fois. Je vous demande, quel est le plus beau couple sur YouTube? Non, c'est pas Amoureux mais bête. Non, ça c'est dans le titre, ils sont trop cons. Non, c'est pas Chelsea et Skyheart. Non, ils sont trop banals. Est-ce que c'est le couple de David Lafarge Pokémon et Miss Jirachi? Non, parce que je sais pas si c'est un couple de lesbiennes ou un couple hétéro. Est-ce que c'est le couple de Marie et Cathy? Non, ils sont trop virils. Le plus beau couple sur YouTube, c'est le couple qui publie ses vidéos en même temps, qui vise le même public et qui publie en fait exactement la même vidéo en même temps. Et je veux parler de Barlow et Quaze. Vous les connaissez pas? On va en parler un petit peu. Salut, Max est là pour chevaucher des kikous. A la base, je voulais pas faire cette vidéo, sauf que Barlow a essayé de me clasher gentiment dans les commentaires. Je vais la faire finalement, parce que j'avais envie, j'ai hésité. Du coup, j'y vais. On va parler des deux vidéos qu'ont sorti Barlow et Quaze récemment, dans lesquelles ils vont juste insulter et râler. C'est super. On va commencer avec Barlow. Bon, je vous ai déjà dit ce que je pensais de son intro avec le rap français, mais là, ce qui est bien, c'est qu'il a changé l'image qui est au milieu. Pour qu'on ait... des petits yeux rouges. Comme ça, il a l'air plus méchant, c'est cool. Bon, il a l'air un peu aussi albinos parce que les yeux rouges, la peau blanche... Ah, mais non, en fait, non, attendez, c'est un Sharingan. Et Barlow, on n'est pas dans Naruto, du calme, hein. Salut à tous, c'est Barlow, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va pas du tout. Alors là, par contre, je rigole sans être ironique, hein, c'est que vraiment, je trouve ça marrant de prendre à revers le coup de... Hey, salut, ça va? Est-ce que moi, ça va bien? C'est honnête, j'aime bien. Aujourd'hui, je suis venu faire une vidéo où, en gros, je vais régler mes comptes avec certains, voilà, avec certains rageux, certains haters. Alors là, c'est le moment où je me suis dit, je suis concerné par la vidéo. Finalement, j'ai laissé un commentaire lui demandant si j'étais concerné. S'il m'avait dit non, t'es pas concerné, cette vidéo-là n'existerait pas en ce moment. Parce qu'il m'a répondu, mec, t'as 400 abonnés, t'as fait 50 vues, je m'en bats les couilles de ta vie, en fait. Voilà, donc j'ai trouvé ça un peu agressif, t'as juste à me dire non, t'es pas concerné, j'aurais pas fait une vidéo sur tes rages, là. Ça part en couille. YouTube, ça part en couille. YouTube, ça part en couille. Et à cause de qui, à ton avis, ça part en couille? Bon, j'y suis peut-être un petit peu pour quelque chose, qu'il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas ce que je fais. Ferme ta putain de merde. Ferme ta gueule. Ferme ta putain de merde. C'est quoi cette insulte? Alors, ce que je vous propose, c'est en fin de vidéo, je vous fais un petit récap de toutes les insultes des vidéos de Barlow et de Quaze. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vous montre des photos qui vont s'afficher juste là, voilà. Moi, j'habitais ici, les potos. Ah oui, alors ne cherchez pas les photos sur l'image, Barlow ne fait pas de montage sur ses vidéos, clairement il y a zéro effort au niveau du montage. Alors forcément il a pas mis les vidéos, il a même pas en fait regardé une deuxième fois ce qu'il a enregistré avant de le publier sur internet. Après, si je parle comme ça, c'est pas un rôle que je veux me donner. Demandez à mes collègues dans la vraie vie si je suis pas comme ça, si je parle pas comme ça avec mes potes, c'est que moi je suis comme ça. Alors là pour moi Barlow, c'est la plus grosse erreur que tu aurais pu faire dans ta vidéo. Dire que tu es comme dans tes vidéos dans ta vraie vie. Parce que moi, dans tes vidéos, tu m'en fais une image quand même d'un mec un peu con. C'est pas contre toi, mais par exemple, je te plains que les gens disent que t'es albinos. Parce que t'es blanc. T'es bien blanc. Et que dans une vidéo, tu nous expliques que pour toi, l'albinisme, c'est quand un black est blanc. Voilà, donc le premier point, c'est simple. On dit que je suis albinos. Je suis très très blanc. Je suis très blanc, mais vous savez pourquoi? Parce que je suis blanc. Mais je suis pas albinos. Parce que vous savez qu'à la base, un albinos, c'est ce qu'on dit à la base, un albinos, c'est quelqu'un qui est à la base noir et qui est blanc. Non, c'est pas ça l'albinisme. L'albinisme, c'est pas quand un black est blanc. L'albinisme, c'est une particularité génétique. Ça touche autant les blancs que les blacks, que les métis. Ça touche tout le monde. Je vais pas changer, je vais pas faire le PD sur une vidéo à faire... Barlow, est-ce que tu peux refaire le PD, s'il te plaît? Barlow, j'adore la vision que tu as des PD. C'est super. Oui, Barlow, il aime pas YouTube, il fait ça que pour la thune, nanana. Vous savez quoi, les potos? Je mange ici. Je déjeune ici. Je fume ici. Je vis ici. Je chie ici. Pourquoi je fais tout ça? Pour vous. Pour vous proposer du contenu. Alors là, par contre, le compas, c'est que tu nous dis que tu restes la journée devant le PC pour le contenu, mais t'es pas foutu de nous foutre deux putains de photos à un moment de ta vidéo. Alors, je sais pas ce que tu fais de ta journée, mais pour passer 10 minutes à te filmer, ne pas faire de montage et publier directement la vidéo sans même la regarder une deuxième fois derrière, je pense que tu vas te branler quand même pas mal de temps sur ta journée. Après, écoute, si ça te convient comme ça et que tes abonnés aiment ça, très bien, hein. C'est moi qui me casse les couilles et essaie de trouver des idées. Hein, parce que bien sûr, sur YouTube, quand tu sors une idée, tout le monde te la pique. On verra dans ma rectification les super idées qu'a inventé Barlow. Ah bah non, il y en a pas. Donc, je suis là, j'essaie d'innover.
Il y en a qui disent ouais tu plagias, je plagie à personne les potos, mes idées c'est mes idées. Barlow, est-ce que tu peux nous conjuguer le verbe plagier s'il te plaît? Je plagia, tu plagia, il plagia, nous plagia, vous plagia, et il plagias. Je suis pas un mec du virtuel moi. Vous en fait, vous parlez derrière un PC. Vous voyez, vous êtes là. Nye, nye, nye. Ah oui, c'est vrai que toi tu ne parles pas non plus derrière un PC. On avait oublié que toi tu nous parlais en face et que nous on était derrière un PC. C'est vrai qu'il y a beaucoup de différences entre toi et moi à ce niveau-là, tu vois. Donc honnêtement les Rey, moi j'ai juste un truc à vous dire. Alors honnêtement Barlow, juste un truc à te dire. Regarde l'objectif de ta caméra, putain, regarde pas ton écran. Parce que là tu regardes à côté, on dirait que t'es dans les vapes depuis tout à l'heure. Tu peux regarder l'objectif, ça te coûtera pas trop cher, tu verras, c'est pas trop compliqué à faire. Ça améliorera bien tes vidéos, parce que là j'en ai marre que tu regardes genre à côté de moi là. Tu regardes mon épaule sur mon PC, c'est relativement chiant. À tous les youtubeurs qui essaient de me critiquer, qui veulent faire des vidéos sur moi, prenez votre buzz, prenez votre pain, prenez votre argent et me cassez pas les couilles. Ah merci, je me sens gracié tout à coup, j'apprécie, écoute. Moi je suis là, je vous connais de nulle part, je vous connaissais même pas à la base. Je vous connaissais même pas à la base. Est-ce qu'on peut réfléchir 2 secondes à l'utilité de cette phrase? C'est vrai qu'il y a des gens que tu connais à la base. Genre tu vois, tu arrives dans ce monde, et bam, tu connais déjà plein de gens. Non mais les vidéos en impro, pourquoi pas Barlow? Par contre le montage s'impose. Regarde, moi je fais presque de l'impro, mais je monte pendant plusieurs heures derrière ma vidéo pour que ça soit un peu cohérent, tu vois. Là genre, je sais pas, je suis à 12 minutes d'enregistrement juste pour la vidéo qui porte sur toi. Je sais que ça sera 6 minutes au final, un truc comme ça. Vous voyez, vous êtes là. Nye, 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 nye. Je vous parle avec le cœur. Rien n'est écrit. Sans blague. Rien n'est écrit. Ah bah j'ai rien écrit, hein. Non mais ça... C'est Barlow, ça se voit quand même, ce genre de choses. Genre, il y a des phrases que tu dis qui ne veulent absolument rien dire. Et puis, fermez vos mères, je pense que si t'avais eu l'occasion de l'écrire, tu t'en serais passé. Voilà. Donc, franchement, les potos, moi, je sais même plus quoi dire. Bon, tu sais plus quoi dire, mais écoute, on a 8 minutes de vidéo, il faut encore que tu tiennes au moins jusqu'aux 10 minutes. Sinon, t'auras pas la double monétisation et tu pourras pas faire ça pour l'argent. Alors, tu te dépêches et tu me trouves une idée vite fait pour savoir quoi dire, s'il te plaît. Voilà. Ah, si. Ah, bien, t'es réactif. Bien, y en a, ils vont regarder cette vidéo, ils vont dire « Ouais, mais Barlow, pourquoi tu nous dis ça à nous? Nous, on a rien à voir et tout. » Alors là, on arrive au passage qui me dérange, vraiment. Pourquoi est-ce que tu fais cette vidéo? D'ailleurs, le point sera exactement le même pourquoi, ils ont, je vais pas le refaire une deuxième fois. Là, je le fais parce que lui, il en parle, il en a conscience. Pourquoi est-ce que tu fais cette vidéo? Tu t'adresses à une minorité, comme tu le dis, qui ne regarde peut-être pas forcément toutes tes vidéos. Moi, je l'ai regardé celle-là complètement par hasard, en fait. J'ai vu que tu rageais sur le titre. Je me suis dit, ok, ça peut être marrant. Effectivement, c'était marrant à regarder. Pourquoi est-ce que tu fais cette vidéo-là alors que les gens qui vont la regarder en majorité sont les gens qui vont t'apprécier? Pour une raison X ou Y. Tu t'en rends compte en plus, et c'est ça qui est dommage, c'est ce que j'ai reproché aussi à David Lafarge. Les vidéos à chaud dans lesquelles tu t'adresses à une petite partie de la communauté qui est poison, eh bah, tu les fais pour toute ta communauté. Et c'est pour ça que cette vidéo va pas faire un max buzz, etc. Attends, pourquoi tu me parles de buzz là? Mais putain, mais ça n'a aucun rapport! Je veux bien qu'il faille faire la 10 minutes, mais s'il te plaît, dis des choses qui ont un rapport les unes envers les autres. Moi je pense que c'est tout, ça fait déjà quand même plus de 10 minutes l'équipe. Ça fait déjà quand même plus de 10 minutes. Du coup, je peux me permettre de couper la vidéo. Allez, à plus! Vous allez voir, moi et Quez, on s'est mis des idées dans la tête les potos, on va avancer du tonnerre. Oh, j'ai hâte de voir ça. Oh putain, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire les gars! Je suis déjà chaud rien qu'entendre ça! Oh putain! Alors la vidéo de Quez s'appelle Message au rageux. Mais on va voir ensemble et on va vite constater que le plus gros rageux sur sa chaîne, c'est lui-même. J'ai énormément apprécié cette vidéo Quez, c'est la vidéo que je préfère sur toute ta chaîne. Et yo tout le monde les gars, c'est Quez. On se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale les potos. Donc en fait je veux parler de ces fils de pute de rageux. Oh putain! Genre le mec il a la voix la plus calme possible. Il a une voix hyper basse, hyper calme. Salut, c'est pour parler des fils de pute de rageux. Les pranks avec ma mère, il y en a, ils me font des speeches parce que je fais des pranks à ma mère. Mais écoute, c'est pas grave si tu fais des pranks avec ta mère. T'as pas d'amis, hein, t'y peux rien, c'est comme ça. Hein. Mêlez-vous de votre cul, la putain de vos grand-mères les chiennes, mais non. Je pense que si la vidéo de Quez est 2 fois plus courte que celle de Barlow, il y a 2 fois plus d'insultes dedans. Zap, tu vois la télé, quand tu vois de la télé, t'aimes pas un truc, tu zappes, bah fais pareil, barre-toi. Ah, officiellement, je voulais crier au plagiat de David Lafarge Pokémon. Les gars, c'est comme à la télévision, putain, tu cliques sur une chaîne de télé comme ça, oh putain, ça me plaît pas, ah bah tiens, je vais me forcer à regarder, je vais pas aimer. Putain, mais vous êtes abruti ou quoi? Très bien vu, Quez, bien joué. J'étais en live l'autre jour. Avec ma mère, je le faisais lire les commentaires des abonnés, elle faisait des dédicaces et tout. Et des gros fils de pute qui viennent dans l'espace commentaire, ils font quoi? Nique ta mère c'est une pute. Attends, là j'ai pas compris, c'est que tu es en train de t'énerver contre les gens qui insultent ta mère. Par contre, toi tu insultes la mère de ces gens là quoi, c'est, enfin... Excuse-moi, mais si on suit ta logique, t'es aussi con que ces personnes là.
Après, à voir s'ils sont cons, c'est toi qui le dis ou pas. Hein. Moi, je veux pas. Moi, j'insinue rien. Hein. Ils disent quoi? Ils disent ouais, ça se fait pas ce que tu fais à ta mère, machin, machin. C'est de l'humour. Est-ce que vous connaissez l'humour? C'est de l'humour. Eh, hey, j'ai vu croire que je me suicidais, mais c'était une super blague, ça. Eh, hey, les gars, je me suis enfoncé un couteau dans le bras, mais c'est une super blague, ça. C'est vrai qu'il y a jamais des personnes qui sont mortes en se taillant les veines. C'est vrai que ça n'est jamais arrivé, mais les gars, c'est de l'humour. Écoutez, je veux bien comprendre qu'il y ait différents degrés d'humour, humour noir, tout ça, mais faire croire à un de ses proches qu'on se suicide, est-ce que c'est une bonne blague d'après vous? Est-ce que c'est intelligent à faire? Non, ça l'est pas, non. Attends, sérieusement, YouTube, ça commence à me péter les couilles, parce que... J'aime bien, c'est que t'essayes de rager, mais avec ta voix et ta coiffure, on dirait un peu Marvin la Queen. Moi, admettons, j'ai le mur blanc, admettons. Ouais, ils vont dire, ouais, j'ai copié, je sais pas moi, ta mère par exemple, tu vois. Je pense qu'avec ton mur blanc, t'as copié le teint de peau de Barlow. C'est quoi le rapport avec ma mère, putain? C'est bien, c'est comment, tu vois, tu montres que t'es plus intelligent que les gens qui ragent contre toi. Vous fermez votre gueule. Vous êtes masqué dans la vraie vie. Ah non, je sais pourquoi est-ce qu'il parle aussi peu fort. C'est pas sa voix qui est faible, en fait. C'est juste qu'il y a sa mère dans la maison et il veut pas que sa mère l'entende. Bon, bref. Bon, il est relativement extrêmement chiant à insulter tout ce qui bouge. Alors, on va arrêter sa vidéo ici et on va conclure. Parce que je sens que ma vidéo à moi va être genre très très longue. Ça va être une plaie à monter. Ça va être catastrophique pour vous à regarder. Ça risque d'être un peu long, un peu dur à supporter. J'en suis désolé, mais je vais faire ce que je peux pour la raccourcir au montage. Parce que là, je suis au moins à 35 minutes d'enregistrement. C'est assez catastrophique. Donc, voilà mon point. Vous faites exactement la même vidéo en sachant que vous avez très probablement la même communauté. Ensuite, vous dites exactement la même chose dans la vidéo, c'est-à-dire, vous insultez les rageux, vous leur dites que vous ne les écoutez pas, pourtant vous leur donnez énormément d'attention en les insultant, et vous leur dites que vous continuez sans les regarder, alors que vous faites une vidéo en les insultant. Ensuite, vous vous incitez à laisser un pouce bleu ou pas trop, enfin on sait pas trop parce que... Surtout pas de... Même pas. Je veux pas d'abonnement, je veux liker si t'as envie, like si t'as envie. Maintenant, pour ceux qui m'ont compris, voilà, si vous voulez... Mettez un petit pouce bleu, je vais pas en demander plus, voilà. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est juste Twitter. Hein, voilà, vous faites pas chier, j'ai pas d'autre page à la con. Abonnez-vous si ça vous plaît. Laissez un like, j'ai pas peur de le demander. Et à la prochaine! À tous ces petits chiens, hein. Ferme ta putain de mère. Ferme ta gueule. Si tu fermes ta gueule. Donc vos mères, les gros chiennasses des îles, maintenant, arrêtez de me saouler avec ça. Vous pouvez vous mettre un gros doigt dans le cul. Portez vos couilles un peu. Fermez vos chattes. À tous ceux qui arrêtent pas de me péter les couilles. Ces fils de pute de rageux, mêlez-vous de votre cul, la putain de vos grand-mères, les chiennes. Je m'en bats les couilles, ma grand-mère, la pute, ferme ta gueule. Et des gros fils de pute, la putain de vos mères, va te faire enculer, c'est bon, va te faire enculer. Tous les fils de pute, les gros fils de pute, va nique ta mère, c'est bon. Ils vont se faire enculer, nique leur grand-mère. Des fils de pute, mais nique ta mère, plagia ta grand-mère. Allez vous faire enculer, sérieusement. Plein de fils de pute. Vois ce doigt, espèce d'enculé, assis-toi dessus, espèce de bâtard, ok? Vous fermez votre gueule, vous êtes des grosses putes, d'accord? Fils de pute, nique ta mère, je te baise, enculé. Mais va te faire enculer, sérieusement, va te faire enculer. Mais voilà, au moins vous avez mon vrai visage de comment je suis.